venus là pour élever le nom de Jésus. Et quand vous élevez le nom de Jésus, vous savez quoi? C'est qu'il y a les églises ici qui soutiennent des anges et des hommes. Et si nous sommes là, c'est qu'il m'a pour vous et pour la vertu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Amen. Vous voulez adorer Dieu avec moi? Amen. Vous voulez ou pas? Amen. Oh, amen. Moi je crois. Je crois pour cette jeunesse. Yes. Je suis en train de nécessité. En France, Belgique, Londres, Suisse, Allemagne, Italie. On va partir, on va voyager pour aller jusque parler de Dieu. Amen. Donc si on est là, moi et mes frères, c'est pour lui. Nous avons tout abandonné pour lui. Nous avons tout laissé pour lui. Je vous dis une chose, le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Tu peux être belle. Dieu t'a donné ta beauté pour évangéliser. Tu veux être beau, Dieu t'a donné la beauté pour faire quoi? Pour évangéliser. Tu vivais dans le péché, il t'a aimé. Mais nous, on n'est pas là pour condamner. Il y a souvent des gens qui disent que le salut est individuel, oui. Mais Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière du ciel. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc quand tu as ça, il faut aller parler de lui. Ne vous arrêtez pas seulement de parler de Dieu à l'église, non. Sortez et parlez de lui. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence. Moi, quand je vois des gens dans la joie, ça me fait encore du bien. Parce que souvent, on était triste, on s'est caché derrière l'alcool. On s'est caché dans des choses qui ne donnaient pas à gloire à Dieu. Mais le jour qu'il m'a touché, il s'est révélé à moi. Il m'a dit, j'ai été choisi pour cette génération. Et puis, tu abandonnes tout pour Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Il est en train de construire des immeubles pour toi dans le ciel. Yeah. Alors, si on est là, ici, Belgique est en train de souffrir. Il y a des choses qui se passent et qui vont passer encore ici dans votre nation. Et on était là, on priait, moi et mes frères. Il nous a dit, allez parler encore de moi dans cette nation, la Belgique. Car la Belgique a rejeté ce qui est amour. La Belgique a rejeté Christ. Déjà, le fait d'entendre le nom d'équipe nationale de votre pays, les Diables Rouges. Et ce matin, quand on était là, je priais avec mes frères. Et le Seigneur m'a montré. Oui, c'est vraiment les Diables Rouges qui règnent dans cette nation. Amen. Mais si vous êtes là, vous vous fermez dans votre église, vous ne voulez pas parler de lui, vous pensez que les rêves vont venir à l'église. Non, mon frère. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus n'est pas mort que pour les Noirs. Il est mort pour les Blancs, les Arabes, les Chinois, tout le monde. Tout le monde. Mais le monde rejette Jésus. Voilà pourquoi nous souffrons. Le monde ne veut pas écouter Jésus. Je te lève le matin, je travaille. Oui, c'est bien, mais un jour, on peut te licencier. Un jour, tu peux tout perdre, mais si tu n'as pas Christ. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui se suicident. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui abandonnent la foi à cause des choses du monde. Le monde n'a rien. Le monde n'a rien. Mais si tu vis en Jésus, et nous allons faire encore une appel aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie réellement à Jésus, viens. Si tu es malade, viens. Si tu as quelque chose, tu n'arrives pas à avancer. Il y a des péchés mignons qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Quand je vous dis une chose, quand on était petit, on nous disait toujours, Jésus va revenir. Je vous dis une chose, il va revenir. Nous avons deux façons de voir Jésus. Il y a la mort, on était tellement de personnes. Après la mort, il y a une vie qui nous, il y a encore une vie qui commence. Et l'enlèvement, il faut avoir le marque du Saint-Esprit. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rester. Je vous dis, il y avait un jour, tu m'as montré ça. C'était vraiment très dur, de choses qui vont arriver après l'enlèvement. Les choses qui vont arriver après l'enlèvement, ce qu'on est en train de vivre, c'est encore, c'est rien. Parce qu'il a dit, il y aura des guerres, il y aura la famine, et nous voyons ça. Et chez nous en France, à ce moment, il y a la crise, il y a des gens qui cassent tout, des gens qui sont énervés. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes énervés? C'est pas François qui va vous donner la paix, mais c'est Jésus qui va vous donner la paix. Il y a des gens qui sont en train de casser même les hôpitaux. Chez nous, ça se passe tous les jours. Tout le monde se révolte, tout le monde se relève. Non, moi je fais ceci. Oui, c'est bien, mais... La France a abandonné tout ce qui est la parole qui est Jésus. Et là-bas, nous sommes persécutés. Mais nous continuons encore de parler de lui. Nous continuons encore de croire. Car il est en train de susciter encore des hommes et des femmes qui vont s'élever pour parler de lui. Il y a des gens qui sont malades, qui souffrent parmi nous. Vous êtes là. Mais si tu as honte, la Bible dit, moi aussi j'aurai honte de toi. Amen. Devant les anges et devant le Père. Amen. Donc si on est là, ce n'est pas pour parler, pour démontrer la puissance de Dieu. Amen. Je crois... que Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Si tu es là, vraiment, tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, viens. On est les 18 samedi. Un jour, tu vas quitter cette terre et tu seras devant Dieu. Et Dieu va te dire, ben, Dieu, j'ai jamais entendu parler de toi. Il va te dire, il y avait un jeune homme, un fou, en Belgique, qui criait, qui parlait de moi. Tu ne m'as pas entendu. Ça sera trop tard pour toi. Vous imaginez ça, 100 ans,
120 ans sur la terre et passer ton éternité dans les séjours des morts. Parce qu'il y a séjour des morts et aussi l'enfer. Dans l'enfer, il n'y a encore personne. L'enfer est créé pour les diables et les démons. Mais les séjours des morts, tu seras tourmenté avec les démons. Vous voyez, et à la fin, tu seras jeté dans les dagues de feu toute ta vie. C'est bien de travailler. Car la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Mais nous devons d'abord travailler pour le royaume, pour faire avancer le royaume. Vous imaginez ça? Hier, on roulait, il pleuvait. Mais on a dit, non, il faut qu'on vienne ici pour parler de lui. Et il y a nos frères qui font un bon travail ici, dans cette ville, dans votre pays, par des seigneurs. Si tu es dans une phase de séparation, de divorce, amen. Jésus-Christ est le seul qui peut intervenir dans ta vie. Amen. Amen. Pas les psychologues ni les psychiatres, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au Père. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Et si tu ne peux pas croire, laisse-moi te dire que c'est le seul chemin qui mène au Père. Si un jour tu veux atteindre le paradis, tu peux passer seulement par Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte des brebis. La porte. Les brebis écoutent ma voix et m'obéissent. Tu sais, Jésus a dit, je suis la porte étroite qui mène au paradis vers le Père. Mesdames et messieurs, Jésus a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Changeons d'attitude, changeons notre manière de penser. Commençons à prendre conscience que nous sommes méchants. Tu sais, il y a quelques mois, il y a eu des attentats. Ici, il y a eu des morts. Et tu ne sais pas quel jour ça peut arriver. Repends-toi, frères et sœurs. Repentez-vous, mesdames et messieurs, car le royaume des cieux est proche. Très proche. Car Jésus est proche. Amen. Cherche Dieu tant qu'il se laisse trouver. Ce ne sont pas tes 5 prières par jour, ni tes ablations qui vont enlever ton péché. C'est seulement Jésus-Christ qui te justifie. Amen. C'est le seul qui te sanctifie. C'est le seul qui te rachète. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je t'invite simplement que tu puisses l'expérimenter. Moi, je peux te témoigner, mais vis ta propre expérience avec Dieu. Et tu verras, tu ne seras pas déçu. Car s'il a changé ma vie, il peut changer la tienne. Amen, amen. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Et moi, j'aimerais encore les réveils. Les réveils, ce n'est pas seulement le noir. Vous pouvez voir des blancs. C'est mettre à chez nous, chercher encore la face de Dieu. Nous voulons voir des blancs venir écouter la parole. Vous voyez, nous voulons voir des arabes écouter la parole. Amen. Nous voulons voir toutes les races se mettre à chez nous pour changer. Amen. Dans ce que tu es là, n'admire pas ton cœur. Ce message, ce n'est pas pour ton voisin, ni ta voisine, mais ce message, c'est d'abord pour moi-même. Moi qui vous parle, il faut que je marche bien. Parce qu'après avoir parlé, je vais rentrer chez moi et la mort peut venir. Mais si je ne marche pas selon la parole, je vais aller où? Vous voyez, c'est ça. Donc on est là, on est en train d'exposer notre vie dans le monde spirituel. Dans tout le monde qui est là, il est en train d'exposer sa vie. Donc prends une conscience et marche selon la parole. Prends une conscience et abandonne tout. Si tu trompais ta femme, arrête de la tromper. Si tu trompais ton mari, arrête de la tromper. Si tu faisais du mal, je ne sais pas à qui, arrête. Si tu as une petite copine, je ne sais pas, un petit copain, arrête. Parce qu'aujourd'hui, il y a une maladie qui circule. Ce n'est pas seulement les sida, il y a aussi une maladie spirituelle. Et cette maladie, c'est la souffrance. Tu peux aller chez les médecins. On regarde, mais tu n'as rien. Au fond de toi, au fond de toi, tu souffres. Si on est là, c'est pour vous. Si on est là, c'est pour que cette nation écoute la parole de Dieu. J'aimerais bien voir les enfants de Dieu dans de grandes places, dans la politique. Comme ça, ces lois-là, les lois-là bizarres, comme ça, ça ne passe pas. Les lois qu'on attend, les mariages pauvres, vous connaissez un peu, les ceci, ceci, on ne veut pas ça. On veut vraiment encore parler de Dieu. Alors si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie réellement à Christ. Tu vas à l'église, tu écoutes la parole, mais tu n'as pas donné. Aujourd'hui, c'est ton jeu. Si tu veux marcher avec lui, recevoir le Saint-Esprit, viens, on va prier pour toi. Si tu as encore des péchés qui t'empêchent d'avancer, viens. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas comment je me suis habillé. Mais regarde le dépôt que tu as mis sur moi. Donc nous sommes là pour parler de lui. Nous sommes là pour parler de lui. Nous n'avons pas peur de parler de lui. Nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Nous voulons encore parler de lui. Et la parole touche encore les pieds. Et les cœurs sont encore sous. Car Dieu va faire encore des grandes choses dans cette nation. Et nous croyons encore. Et nous croyons encore. Donc si tu attends, n'endurcis pas ton cœur. Viens. Nous allons prier pour toi. Si tu as des problèmes, viens.
nous avons quitté Paris uniquement pour vous. Uniquement pour vous. Donc aujourd'hui, c'est pour toi. Si tu es là, élève juste la main. Touche ton cœur et commence à prier. Si tu veux rencontrer le Dieu que moi j'ai rencontré, prie. Et du Seigneur, je veux que je te révèle à moi. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre d'être tout le temps stressé. J'en ai marre tout le temps de prier derrière l'argent. L'argent va passer. J'en ai marre tout le temps de prier derrière les hommes, des choses, je ne sais pas, tout ça, ça va passer. Mais cours d'abord. Va chercher un peu qui est chez vous. Cours d'abord pour lui. La cigarette ne sauve pas. L'alcool ne sauve pas. Toutes ces choses ne sauvent pas. La personne qui sauve, c'est qui? Jésus. La personne qui sauve, c'est qui? Jésus. Il est le roi. De la joie aujourd'hui. Amen. Ah oui, nous sommes dans la joie. Oui. Amen. On a la posée du Saint-Esprit. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous sommes encore en Christ. Il n'y a pas de nationalité d'origine ici. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui. Aujourd'hui, on a la nationalité céleste. Amen. Oui, tu n'es plus colombien, tu n'es plus congolais, tu n'es plus belge. Tu es enfant de Dieu, ambassadeur du Christ. Alléluia. Et j'avais envie de vous parler d'un message particulier pour quelqu'un de particulier ici. Homme ou femme, je me suis inspiré simplement de Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 9 à 10, nous parle de Pierre. Et Pierre était devant une foule comme aujourd'hui. Et il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et il a dit: sachez tous, ô peuple de la Belgique, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. Mes amis, on a négligé beaucoup le nom de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, il y a des hommes qui s'appellent Brad Pitt, il y a des hommes qui s'appellent Frankie, il y a des hommes qui s'appellent Albert, mais le nom le plus puissant de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est un nom plus grand que tous les noms de ce monde. Amen.